Et c'est parti pour une recette magnifique et goûteuse que tout le monde peut réaliser, même ceux qui ne font pas la cuisine souvent. Alors, qu'est-ce qu'on a? Du sel, du poivre, herbes de Provence, crevettes, on peut mettre du poulet ou du poisson, tomates, un bol avec de l'huile d'olive et des herbes de Provence, des herbes de Provence à part, ail, oignon haché. Mes pâtes sont quasiment cuites, la poêle est chaude avec de l'huile. Je mets les crevettes. Pour bien que la poêle soit chaude, il faut qu'on entende quand on met les crevettes. Il y a un petit peu d'huile quand même. Qu'elle soit bien saisie. En attendant, tomates, j'assaisonne avec du sel. Voilà, j'ai mes crevettes. Ils sont bien en train de dorer. Voilà, si la poêle elle n'est pas chaude, ça peut pas être doré. Là, c'est doré. Je mets pas trop de sel, les crevettes sont déjà salées. Mes pâtes sont presque cuites. Elles sont cuites même. Voilà, les crevettes, c'est 2 minutes, pas plus, 2-3 minutes. Et voilà, une fois que ça a commencé à cuire, quasiment aux 2 tiers, je mets l'ail et l'oignon. Je remue bien. Voilà. Je remue un peu. Et là, je vais déglacer avec du vin blanc. Et bien, ça c'est déglacé, voilà. Ça fait de la fumée. Voilà. Je goûte mes pâtes. Maintenant, je vais poser les tomates à réchauffer là-dedans, juste. Je mets mes pâtes dans l'huile et le bol. Je vais mélanger. Et déposer tout ça dessus. Voilà. Je vais même prendre un peu des pâtes et essuyer la poêle avec pour bien donner le goût de cuisson. Voilà, c'est coloré. Je saupoudre de parmesan. Je termine par les herbes, toujours par les herbes à la fin pour pas qu'elles cuisent. Un coup de poivre
Et voilà.